Alors moi, j'ai eu grand plaisir de venir ici, de retrouver toutes les figures amies avec qui on a mené de très nombreux combats. Donc c'était un moment excessivement chaleureux, enfin avec beaucoup de valeurs humaines. Et en fait, quand on fait le bilan des 50 ans, c'est finalement assez incroyable les combats qu'on a menés, les victoires que l'on a obtenues pour protéger des sites remarquables, des espèces, mais puis aussi pour infléchir les politiques des grandes collectivités, et bien sûr pour avoir des partenariats avec elles, mais pour faire avancer ce qui nous est cher, hein, c'est-à-dire voilà, la protection de la nature et de l'environnement, l'éducation du plus grand nombre, mais aussi gagner des combats juridiques pour stopper des projets inutiles. Et finalement, les 50 ans, on peut célébrer tout ça. Les changements que j'ai pu voir ont été une prise de conscience progressive en fait de la protection de la nature, de l'engagement d'une association, du rôle en fait évident d'une association de protection de la nature. Ce que j'ai vu changer aussi, c'est l'écoute progressive des élus du monde rural qui occupait une partie du département du Rhône, et également de toutes les instances qui travaillaient sur le développement de la vie économique du département. Ce que j'ai vu aussi grandir, c'est l'investissement de l'État en matière de protection de la nature. J'ai assisté au passage de plusieurs ministres de l'Environnement, et j'ai vu des ministres, hommes ou femmes, mais surtout femmes d'ailleurs, s'engager véritablement au sein de leur ministère. Mais ce que j'ai vu parallèlement à ça, c'est une dégradation continue des espaces naturels. Et en fait, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, que moi j'ai toujours vécu en fait en 30 ans de FRAPNA, c'est on n'a jamais autant parlé de nature, et pourtant la nature n'a jamais autant été menacée ou dégradée, hélas. J'ai beaucoup aimé cet événement parce qu'il était très sympa. On a retrouvé toutes les figures qu'on retrouve à la FRAPNA d'habitude, donc Frédéric et toute l'équipe. Donc ça fait plaisir de pouvoir se réunir et de faire un gros événement et partager ça avec eux. Je pense que la FRAPNA va évoluer toujours dans le bon sens. Elle a fait beaucoup de bonnes choses par le passé. Elle fait que gagner en notoriété et surtout elle fait de plus en plus d'actions autour d'elle. Donc partout dans la France, et j'espère que la FRAPNA va gagner beaucoup d'adhérents cette année encore une fois, et que les projets vont toucher encore plus de personnes, sensibiliser les enfants, ce qui est très important.